Oh là là, les petits gourmands, vous devez certainement reconnaître cette date. Eh bien, c'est grâce à nous, les rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, que vous célébrez cette fête tous les ans. La légende raconte que nous avons suivi l'étoile miraculeuse jusqu'à la crèche de Bethléem. Nous avons découvert le petit Jésus dans sa crèche et lui avons offert des cadeaux. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Sais-tu qu'épiphanie signifie « apparition » en grec ? C'est l'apparition de Jésus. Depuis, c'est devenu notre fête, la fête des rois. Quant à la galette, oh, rien à voir avec nous. Elle trouve son origine chez les Romains. Ils sont fous, ces Romains. Ils organisaient de grandes fêtes complètement folles appelées Saturnales. Durant les banquets, celui qui trouvait la fève était sacré roi de la fête et pouvait demander ce qu'il voulait. Aujourd'hui, la tradition est plus sage. C'est le plus jeune enfant qui va sous la table pour désigner à qui attribue les parts. Sais-tu qu'autrefois, on réservait toujours une part pour une personne pauvre ?